René Louillada, CEO de la société Upperlink. Nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale et nous travaillons notamment sur les trois clouds de Microsoft, que sont Office 365, Microsoft 365, Azure et Dynamics 365. Votre cloud est privé, public ou hybride? Les trois. Tout système d'entreprise sera hybride, multi-cloud. Quelle est votre app préférée? Une app de méditation pour mieux m'aider à me déconnecter. Êtes-vous plus tableau croisé dynamique ou Power BI? Résolument Power BI. Je gagne un temps de dingue avec Power BI. Mes tableaux sont à jour, j'y accède où que je sois, je reçois des alertes si certains éléments dépassent des seuils critiques et ça permet d'être précis, réactif et de prendre les bonnes décisions. Relation client, digital, physique ou figital? Figital, c'est sexy. Concrètement, le premier contact se passe de plus en plus aujourd'hui en digital. Par la suite, le suivi est plus pratique et beaucoup plus opérationnel en mode digital. Cependant, la relation physique reste quelque chose d'important. Il nous est arrivé de signer des affaires sans avoir rencontré les personnes. Les clients ne nous ont pas laissé le temps de les rencontrer avant de nous passer les commandes. Qui doit être le garant des données personnelles? L'opérateur cloud et les éditeurs de logiciels. Et c'est pour ça que j'ai plus confiance dans les solutions Microsoft, dont le modèle, contrairement aux autres grands opérateurs, le modèle économique n'est pas basé sur l'exploitation des données personnelles. La sécurité informatique, c'est être aidé dans mon quotidien par les différentes applications d'IA, en étant certain qu'aucune exploitation, ni politique, ni commerciale, ni d'influence ne soit faite de mes données personnelles. Peut-on travailler partout? Oui, je travaille beaucoup dans les cafés parisiens ou dans les hôtels lors de mes voyages d'affaires ou de loisirs. Je me connecte. Mon ordinateur affiche mon portail d'entreprise qui me permet d'avoir toutes les news internes, externes, d'accéder à mes documents en cours de travail, d'accéder aux derniers documents qui ont été modifiés dans l'entreprise et d'accéder à l'ensemble de mes applications. Vrai ou faux, tout seul on va vite, ensemble on va loin. Ensemble on va vite et loin si on partage l'information et si on est coordonné. Votre première fois avec une IA, c'était comment? C'était affreux. Je sortais du bureau, mon iPhone me dit que j'étais chez moi en 20 minutes. 1. Comment sait-il où était mon chez moi? Comment sait-il que je rentrais chez moi? J'étais choqué. Depuis, je me suis habitué. Je reste inquiet de savoir ce qui est fait de mes données personnelles. Quelle IA pour demain? Plus de services automatisés avec l'assurance d'une non-exploitation de mes données personnelles.